She done do me by yo. But she done spent my money, yo. Eh bien, salut, je rentre ici pour une partie sur Black Ops 2, on va dire. J'ai carrément du mal à le dire. Mais par contre, cette fois-ci, on ne se retrouve pas en live. Je sais que normalement, je fais que des vidéos en live et tout. Mais cette fois-ci, j'ai quelques trucs à vous en parler. Déjà, premièrement. Donc là, après, on va parler encore de Ghosts. Mais d'abord, on va parler de Call of Duty généralement, comme ça. Donc déjà... Vous pouvez dire dans les commentaires comment vous trouvez ce magnifique jeu, on va dire. Parce que regardez-moi ça. Donc là, début de partie et tout. Tranquille. Je mets encore muet tout le monde. Par contre, est-ce que j'ai encore le son? Ah oui, voilà. Mais par contre, n'hésite plus de joueurs pour équilibrer les équipes et tout. Pendant des heures, vous le voyez. Mais c'est tranquille. C'est bien. C'est super. Donc en plus, il faut que je vous raconte cette histoire, c'est que ça, c'est les premiers moments en fait, après une super longue pause de Call of, j'ai plus joué depuis des mois, et je me suis dit là, bon allez, je vais y aller, parce que j'ai quand même envie d'y jouer un peu, parce que j'ai passé des bons moments sur en début, c'était encore sur MW2, parce que j'ai commencé sur MW2. Et puis je me suis dit, allez, je vais me forcer un peu. Donc ça, là, vous voyez vraiment les premiers moments du jeu. Déjà, vous ne voyez pas tout parce que le début, je l'ai coupé encore parce que ça a un peu bugué. Mais là, vous voyez, la connexion, elle est super. Il y a juste écrit connexion interrompue deux fois. Mais ça, ça ne gêne pas. Vous voyez, on dirait quasiment pas que la connexion est interrompu, donc on voit bien que ça a commencé tout de suite. Bon, il y a un petit chargement encore là, début de partie dans 11 secondes. Enfin, on pourrait dire limite des minutes, parce que les secondes, ça passe normalement un peu plus vite. Mais bon, ça c'est les secondes de Call of. Et puis, vous le voyez, sinon le jeu est très très fluide là. Là, vous le voyez par exemple, il se passe beaucoup de choses là. On sent qu'il y a la pression et tout, la partie elle va commencer dans 8 secondes là. Enfin c'est pas vraiment des secondes, c'est plutôt des minutes un peu courtes. Bon, c'est déjà sympa que c'est pas des minutes parce que voilà, Call of voulait nous faire un petit Call of. Call of voulait nous faire un petit Call of. Un petit cadeau je voulais dire. Mais c'est bien aussi, c'est logique que Call of va nous faire un petit Call of. Donc là en fait je sais pas, j'ai un peu ragé, je suis un peu allé dans les classes et tout, j'ai regardé un peu, même si on a normalement même pas le temps de le faire, mais je me suis pris le temps vite fait. Donc là la partie elle va bientôt commencer, vous le voyez là, il y a la pression et tout. Oh putain, là il y a déjà des gens qui parlent et tout, et il faut que je les mette muets quand même parce que sinon ça va gêner. Donc là vous voyez, ça commence. Là la partie elle, oh là, là on bouge, vous voyez, là on bouge tellement vite que... Ouais, la télé, elle a du mal à suivre. Mais c'est bien. Sinon, vous le voyez, il n'y a pas de problème de connexion dans le jeu. Mais voilà. Donc, on va pas juste dire que le jeu est magnifique et tout. Mais par contre, je voulais aussi remercier Activision et tout pour qu'ils nous présentent à chaque fois, et Treyarch aussi, bien sûr, des jeux tellement magnifiques, sans problème de connexion, sans qu'il y a des hackers et... Et tout, c'est vraiment fantastique. Je les remercie franchement. Et puis sinon, j'ai encore envie de leur dire... Don't fool de ma gueule, putain de... Fuck! Bon, sinon, on va commencer maintenant. Franchement, qu'est-ce que j'en pense? C'est vraiment... J'en ai déjà marre de Call of, là. D'ailleurs, après cette partie-là, enfin, vous allez voir, mais bientôt... Je vais rager et puis je vais arrêter. Bon, après cette partie-là, je vais bientôt rage quit. Parce que voilà, il faut tout le temps arrêter là où c'est le plus beau. Mais par contre, après je recommence une partie. Elle a l'air d'être assez bien et tout. Donc c'est là que je l'ai faite. Vous allez voir, c'est pas une partie spéciale. Parce que moi, après les mois de Call of, enfin les mois que j'ai arrêté Call of, c'est sûr que... Je suis pas le plus grand des PGM, mais bon, c'est pas spécialement gameplay, c'est juste le début que je voulais vous montrer, c'est parce que la connexion était tellement fluide et tout, je voulais vous le montrer quand même. Mais par contre, donc franchement, ça m'énerve
tellement qu'ils nous présentent des jeux à chaque fois aussi pourris. J'ai pas encore touché à Ghost parce que. D'ailleurs, il faut dire Ghosts parce que. Il faut le prononcer un peu gay comme ça parce que le jeu est gay. Mais par contre, j'ai pas encore joué, mais je peux m'imaginer à peu près qu'est-ce que ça va donner. Et puis, je sens déjà que je vais rager là-dessus. En plus, franchement, je vous conseille absolument pas de l'acheter. Même si moi, je l'ai pas encore eu. Mais par contre, là, déjà, là, vous voyez, là, je quitte parce que, voilà, c'est le moment le plus beau. Quand on s'est fait tuer, quand ça lag comme ça. C'est pour ça que j'ai décidé de quitter. Mais par contre, je vous conseille tellement pas de l'acheter parce que, bon, moi, il faut que je l'avoue, je l'ai acheté. Enfin, je l'ai précommandé. Et puis, comme je l'ai précommandé, enfin, je l'ai commandé en France sur Amazon, ça met un peu plus de temps. Normalement, je vais l'avoir jeudi. Mais je suis même pas pressé de l'avoir. Donc, ça me gêne même pas si je l'ai pas, enfin, que je l'ai pas maintenant, normalement, quand tout le monde l'a déjà. Mais franchement, je suis un pigeon. Ça, il faut que je l'avoue parce que de l'avoir acheté, je regrette pas. Mais je dirais que c'est le seul jeu que j'achète en sachant qu'il va pas me plaire. C'est quand même bizarre. Et puis ça c'est le marketing de Activision et Treyarch. C'est vraiment. Je comprends pas c'est ce qu'ils font. Mais en tout cas, tout le monde l'achète en sachant qu'on va déjà rager dessus. Ça, on le fait sur aucun d'autre. Enfin, en tout cas, moi, je fais pas ça sur d'autres jeux. Si, par exemple, je sais pas moi, un Far Cry. Déjà, avant qu'il y ait le jeu qui sorte, je sais déjà que ça va pas me plaire. Je vais pas l'acheter. Mais Call of, bah, voilà. On l'achète quand même. Donc franchement, je vous le conseille de ne pas l'acheter parce que sinon vous êtes des pigeons comme moi. Bon après, il y a des millions de pigeons quand même. Mais bon, en plus c'est vrai, il y a beaucoup de pigeons dans le monde. La dernière fois, j'étais à Strasbourg, il y avait pas mal de pigeons. Mais bon, voilà, c'est pas pas le thème. Mais donc quand même, il faut dire qu'ils sont un marketing de ouf. Ça, je l'avoue, c'est bien. Mais par contre, s'ils mettraient au moins la moitié qu'ils dépensent dans le marketing, de faire chanter Eminem et je sais pas tout ce qu'ils font là, le best of the game of the year, and motherfucker, and I nique ma mère et tout, ils devraient plutôt l'investir dans le jeu. Juste la moitié du marketing, ça serait déjà super. Parce qu'ils ont fait assez de marketing. Là maintenant, on sait que tous les ans, il y a Call of qui sort. Super, tout le monde est content. Mais par contre, ils devraient arrêter de dépenser tout l'argent. Enfin, déjà, pas tout l'argent parce que il y a trois quarts qui va en toute façon dans leur poche. Mais par contre, l'argent qu'ils mettent sur le marketing, ils devraient le dépenser plutôt sur le jeu. Parce que franchement, je trouve que tout doucement, ça devient vraiment énervant. Leur système là, des heures sur la Gamescom, partout dans le monde, ils expliquent que c'est le meilleur jeu et les nouveautés. Mais en fait, les nouveautés, on les a déjà depuis 3 ans, les nouveautés, et puis c'est à chaque fois les mêmes nouveautés. Au bout d'un moment, c'est plus les nouveautés, quoi. Depuis Call of Duty 1, c'était la plus grosse nouveauté, et puis après, les nouveautés, bah, on peut les mettre dans le cul. Mais franchement, après, je sais que ça marche bien, Call of, mais tout doucement, il faut quand même s'améliorer un peu. Et puis ça suffit pas de juste mettre maintenant des chiens dans un jeu ou des nouvelles maps, et puis dire voilà, ça c'est notre nouveau jeu. Mais ils le font exactement comme ça. Et puis ça, je trouve ça vachement dommage, et puis. Il devrait arrêter, franchement, parce que vraiment ça m'énervait. Mais bon, voilà. Ça, c'est mon avis là-dessus. Après, peut-être Ghost, il va être super bien, mais d'où. Mais je pense vraiment pas parce que je trouve que MW2, c'est avec le jeu que j'ai commencé. MW4, je l'ai aussi. MW4, n'importe quoi. Call of Duty 4, je l'ai aussi. Mais c'est pas sur celui-là que j'ai commencé. Donc. Je peux juste dire à partir de MW2.
MW2, je me suis franchement amusé dessus avec les potes et tout. On s'est fait des heures de call off après l'école direct jusqu'à au soir. C'était vraiment magnifique. Après, il y avait Black Ops 2, Black Ops déjà d'abord. Celui-là, je l'ai même déjà un peu plus aimé que MW2, même si la plupart des gens n'ont pas trop aimé. Mais celui-là, je l'ai bien aimé. Mais par contre, après, il y avait MW3 que j'ai bien aimé en début, mais après, déjà un peu moins. Et par contre, alors là, Black Ops 2, c'est la plus grosse merde que j'ai jamais vue. Je l'aime pas du tout. Bon, vous le voyez, mes skills sont pas magnifiques non plus. Je fais de la merde, mais je l'aime vraiment pas. Dès le début, déjà, celui-là. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que Ghosts, il faut le prononcer gay parce que le jeu est gay, va donner, je sais pas. Et puis d'ailleurs, si je dis qu'il est gay, c'est pas principalement. C'est pas bien parce que les gays sont bien aussi. Mais voilà. Donc, on va bien voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je suis pas content de la situation. Bref, heureusement, j'ai GTA pour y jouer et tout. C'est déjà bien. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'était mes deux parties. Enfin, une partie et demie, on va dire. Que j'ai joué sur Black Ops 2. Et puis, ça m'a déjà suffi. Là, maintenant, je vais plus retoucher, plus jamais dans la vie. Parce que là, ça m'a assez énervé. Donc, bon, même si il faut dire que la deuxième partie, la connexion, elle a assez bien tenu. Il faut quasiment aller à New York ou je sais pas où pour remercier Activision et Treyarch et tout, de leur faire des bisous partout. Parce qu'il y a une partie qui a tenu. Mais bon, il y a certainement des gens qui arrivent bien à jouer et puis certainement des gens. Ils ont tout le temps une bonne, enfin non tout le temps je pense pas, mais souvent une bonne co. Et puis justement à cela, j'aimerais bien que, enfin vous pouvez tout le monde, pas juste ceux qui ont une bonne co, m'envoyer des vidéos en fait. D'ailleurs j'ai une mauvaise feuille là, normalement j'ai une feuille de prépa, ah voilà ici. Oh putain super, j'ai déjà tout noté et tout, trop bien. Donc putain je me suis noté. Coup de gueule, Call of Duty, pire en pire. Pas mal, cette notice. Ça, je pense qu'on en a parlé. D'ailleurs, juste pour vous dire, enfin, vous le savez déjà, je pense, il y a déjà des hackers sur Call of Duty Ghost, enfin, même avant la sortie, même. Là, je vous montre quelques images que j'ai trouvées sur le net. C'était carrément encore 2 jours, non, 3-4 jours avant la sortie de Call of, il y avait déjà des hackers là, comme vous le voyez. Et puis ça, c'est quand même, c'est chaud. C'est carrément avant la date de sortie du jeu, il y a déjà des hackers. C'est super. Merci beaucoup. Genre qu'ils se sont fait quelque chose, Treyarch et Activision, pour faire quelque chose contre les hackers. Non, 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 ils s'en foutent complètement. Ok. Donc, j'aimerais bien avoir vos avis déjà là-dessus, en commentaire. Et puis, j'aimerais bien aussi, enfin, vous pouvez maintenant, à partir de maintenant, m'envoyer vos gameplays sur Black Ops, Black Ops 2, MW2, même si vous voulez, même les anciens Call of, Ghost, bien sûr aussi, en sachant que Ghost, il faut le prononcer gay parce que le jeu est gay. Donc vous pouvez envoyer les games, bien sûr Battlefield aussi, Homefront, enfin tous les FPS que vous voulez en ligne. Vous pouvez envoyer vos gameplays sans l'avoir commenté. Moi je vais le commenter parce que de temps en temps j'en ai besoin comme ça pour vous faire des vidéos info ou pour vous parler comme ça, comme je le fais maintenant. Donc vous pouvez à partir de maintenant m'envoyer vos vidéos. Par contre en HD et une bonne partie quand même et une bonne qualité comme dit, et puis vous pouvez tout simplement l'uploader la vidéo sur votre chaîne, enfin l'uploader comme ça tranquillement sur YouTube et après m'envoyer en message, je pense que vous le savez comment le faire, et puis avec la vidéo vous l'envoyez et puis après je vais voir si il y a une partie intéressante et puis après je vais commenter dessus et puis bien sûr je
je peux vous faire une petite pub avec, comme vous voulez. Donc, déjà, j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Tout ce que vous pensez de Call of. Moi, je trouve ça très, très, très triste parce qu'ils ont assez de thunes pour faire quelque chose, mais ils s'en foutent de notre gueule. Et puis, vous pouvez envoyer vos gameplays sur les jeux, bien sûr, Ghosts, prononçant guerre, pas oublier. Ça, c'est, je pense, que le plus intéressant parce que enfin, c'est le nouveau Call of, donc voilà. Mais Battlefield 4 aussi, c'est pareil, bien sûr, je serai content aussi parce que Battlefield 4, je l'ai pas encore, donc vous pouvez m'envoyer. Donc voilà, j'ai plus rien à vous dire. D'ailleurs, j'ai parlé beaucoup trop là. Donc salut Jean, et n'hésitez pas à mettre un commentaire avec vos avis sur la situation. Et puis un petit pouce vert, ça me ferait plaisir. Et puis, envoyez vos gameplays s'il vous plaît. Et puis comme ça, on verra. Donc salut Jean, et à très très bientôt.